Hey, what's up les potes, c'est super Lobsman. Donc aujourd'hui on se retrouve sur mon bureau pour un nouveau tutoriel comment faire des bannières en 2D. Donc j'avais déjà fait un logo en 2D pour un tutoriel avec Paint et c'était pas vraiment joli joli. Mais déjà je vais vous présenter comment faire des bannières comme celle-là. Voilà, comme vous pouvez le voir sur mon bureau, où il écrit SLM, partage, commente, abonne-toi avec les trucs. Et voilà, donc on fait déjà, c'est une bonne intro, une bonne intro, excusez-moi. C'est une bonne bannière pour un début sur YouTube. Donc déjà, vous allez avec ce site qui s'appelle Pillars Express, comme ça. Bon, je vous mettrai le lien ici. Donc pour chercher les bannières stylées, je vous conseille de chercher les bannières en GFX. Comme ça donne des bons, bah, ça donne des bons bannières. De toute façon, je vais vous mettre la bannière en GFX. Vous allez voir, donc vous marquez bannière GFX et vous aurez des bonnes bannières. Et c'est pas des bannières qu'on voit pas souvent sur YouTube. Donc vous pouvez vous la prendre, la personnaliser. Comme ça, c'est votre bannière à vous, quoi, entre guillemets. Donc on va aller dans les bureaux. Donc je sais pas pourquoi tu vas dans les documents directs, mais si tu veux, c'est pas trop un problème. Ok, mais pourquoi l'ordinateur a fait ça? Donc excusez-moi, mais donc voilà, photo et bannière, donc voilà. Donc là, c'est tous les photos que je me sers pour faire mes bannières. On va attendre que ça charge parce que je filme avec l'ordinateur, avec Camtasia, et comme j'ai juste installé Camtasia 8 et bref, voilà. Hein? C'est vraiment pas joli joli de nous. Je sais pas c'est laquelle, je crois que c'est celle-là, nouvelle bannière, j'en sais rien du tout. Donc on va attendre que ça charge tout simplement. Ah non, c'était celle-là. Donc voilà, prenez une bannière comme ça. Vous allez voir, au début elle est stylée, mais quand on va rajouter des trucs, elle sera encore plus stylée. Donc il y en a qui fondent, enfin qui flouent l'image. Moi j'aime pas trop, j'aime bien voir les trucs qui se cachent derrière la bannière, comme les écrits Team. Donc vous voyez que c'est vraiment un modeur qui a créé, c'est pas un youtubeur, donc c'est à vous. Donc voilà, c'est un modeur qui a créé. On peut voir sur ça, il y a écrit Riot Mods by je sais pas quoi et GFX. Donc voilà, c'est juste un mec qui crée des bannières qu'il met sur YouTube, qu'il met sur Google. Donc voilà, il les personnalise pas vraiment, entre guillemets. Donc voilà, donc on va prendre ça exemple. Donc vous aimez bien ce que j'ai fait, hein. Donc voilà, vous voyez bien que la photo, donc on voit pas le blanc. Donc pour voir pas le blanc, vous mettez exemple troll Panky en PNG, toujours en PNG, pas en autre format, parce que sinon après les excusez-moi, avec les autres formats, on va avoir le truc dégueulasse. Donc voilà. Donc on va le caler ici. Voilà. Déjà, vous voyez bien que ça donne un bon truc. Donc vous allez dans, pour prendre les images comme j'ai fait là, vous allez dans Add Image. Et vous allez dans Browse, donc voilà, à côté de la qualité en gros, pour préciser. Ou opacité, non, c'est opacité, c'est pour voir si on voit flou. Enfin. Bref, voilà. Donc, exemple, vous voulez. Ah, même avec Open, enfin, même avec ce site, j'ai pu faire ma bannière qui est là, je vous montrerai après. Ne vous inquiétez pas. Donc là, je cherche une image qui serait bien. Donc, ces trolls, ils sont mal parce qu'on voit le blanc, donc je vais pas les prendre. Je vais prendre quoi? Je vais prendre quoi? Donc, je vais prendre déjà le logo de Facebook. Comme ça, vous pouvez mettre votre compte Facebook. Mais je vais pas vraiment mettre. Moi, c'est pour mettre des trucs. C'est une bannière qui sera peut-être pour ma chaîne, je sais pas. On verra plus tard si je l'aime bien. Donc l'exemple là, vous pouvez mettre les vos comptes. Exemple, moi c'est Facebook, YouTube et Twitter, mais j'ai pas j'ai à fin de chercher le logo Twitter. D'ailleurs, si tu veux t'abonner à ma à mon compte à, si tu veux t'abonner à mon compte Twitter, c'est tout simplement ça s'appelle Sir Lobbyman. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai donc voilà. Donc vous voyez bien que déjà ça donne un bon. Excusez-moi que mon ordi bug. Si vous voyez que ça bug, c'est normal parce qu'en fait. En fait, c'est pas vraiment un ordi puissant. Donc voilà quoi.
Quand je filme pas, il est bien, il bug pas, mais quand je filme, ben voilà. Hein. Mais bon, je m'en fous. Hein. Moi, c'est pour vous donner des bonnes idées pour votre chaîne, quoi. J'ai même créé un logo avec ça, donc voilà. Simplement, avec pour créer, vous faites comme j'ai fait Paint, vous créez un logo avec la bonne dimension. Et après, vous partez sur ce site et vous l'améliorez. Donc, je te conseille d'aller voir ma vidéo pour les logos. Donc, ben, voilà. Bon, c'est pas une vidéo vraiment vraiment stylée, mais enfin c'est pas vraiment une vidéo importante pour sa chaîne, parce que s'il y en a qui ont téléchargé Photoshop CC qui regardent ma vidéo, franchement je sais pas pourquoi vous regardez ma vidéo, quoi. Donc voilà. Donc là exemple, j'ai pris un grand nounours, voilà. Ok, nounours, c'est beau. Donc voilà, donc exemple. Voilà, moi je vais le mettre en plus petit. C'est trop petit. Voilà, je vais un peu le déformer. Voilà, je vais le mettre ici. Et maintenant, on va écrire pour que ça soit vraiment personnalisé. Parce que là, pour moi, c'est pas. On a rajouté des photos, mais il y a toujours. Voilà, il y a toujours des trucs qui restent et qui faut enlever pour montrer que c'est votre chaîne en gros. Donc, me demandez pas pourquoi je mets SLM, parce que SLM c'est tout simplement Super Hobbyman. Vite, et je vais mettre Gaming, parce que Gaming c'est tout simplement du game, quoi, du jeu. S'il veut bien, voilà, Gaming. Hop. Donc voilà. Donc là, on va le rétrécir. On va le mettre ici. Donc, avec ça, c'est bien parce qu'il y a plein de. Il y a plein de trucs de police. Je sais pas si on peut télécharger une police sur internet, puis mettre ici, je pense, je suis pas sûr. Je vous dis pas de conneries parce que je n'ai pas encore testé. Voilà. Truc crime, ça fait un bon truc, je trouve. On va voir ce que ça fait sur SLM Gaming. Si tu veux bien t'ouvrir, voilà, s'il te plaît. Ah oui, ça fait un bon truc, mais bon, faut agrandir. Donc on va agrandir tout ça. On va mettre ici. Donc ici, pour pas voir, par exemple, vous mettez un truc, voilà, du con. Hein. Donc la couleur, moi je sais pas ce que je vais mettre. Je pense que je vais mettre du rose, quand ça va faire stylé sur la bannière. Ouais, ça fait grave stylé, je trouve. Enfin, du violet, du rose, enfin, un peu par là. Donc moi je trouve que ça fait vraiment, vraiment stylé. Là, franchement, là, je la trouve classe, ma bannière. Franchement, je pense que je vais mettre celle-là sur ma chaîne. Parce qu'elle est classe. Vraiment très, très vraiment vraiment très classe. Donc voilà. Donc voilà, après maintenant si vous voulez bien déterminer votre truc ouais non, on va carrément donc là on va passer des photos de mes potes, voilà. Là j'ai des photos de tout le monde, on va dire. De mes potes et tout, donc voilà. Donc exemple, vous voulez pas voir ce qu'il y a en dessous, donc voilà. J'espère que c'est la bonne. Donc voilà, exemple, ça vous gêne, vous voulez enlever, vous tirez hein. Et vous la placez bien. Donc voilà, exemple comme ça. Donc voilà. Après il y a le blanc autour, donc après si t'aimes pas tu peux prendre une ouais mais non, ouais non, moi j'aime pas. Donc voilà, vous voyez que là j'ai pas aimé, hop, et je vais sur une dos et ça enlève. Donc je vais chercher un truc un peu mieux parce que là franchement c'était dégueulasse. Ah ouais, bah, si vous voulez, bon, donc voilà, exemple, enfin, là, voilà, il y a un peu de tout le monde, j'ai un peu tout le monde, là, on va dire. Donc, l'exemple que si vous adorez l'entreprise Rockstar Games, bah, que vous voulez la mettre, excusez-moi, putain, un grand format. Et si vous voulez la mettre, bah, moi, je vais la mettre, car je trouve que Rockstar, ils font des bons trucs. En parlant de Rockstar, ils vont mettre les braquages normalement le 24 février, c'est pas vraiment sûr, mais c'est une information. Donc après peut-être je dis des conneries. Donc après. Donc voilà, après si vous avez un compte Rockstar, moi j'ai un compte Rockstar.
Donc vous savez c'est comme encore Rockstar, parce que y a des vous êtes sur dans mon crew, certains abonnés. Ce qui s'est passé comme mon crew, c'est tout simplement Super Baguette LOL. Donc voilà. Donc c'est pas de la. Attendez, je reviens. Donc excusez-moi, hein, je regarde, ouais, c'est bon, ça se met. Donc excusez-moi, ma mère m'a appelé, voilà. Ce qui est très chiant des fois, quand je suis en pleine vidéo. Donc je disais, donc voilà, si vous avez un compte Rockstar, vous pouvez vous mettre là. Donc voilà, mon truc, mon crew, c'est Super Baguette LOL. Donc c'est pas vraiment imiter Super Connard, mais parce que, on va dire, j'aime les baguettes. Pas les baguettes, hein, pas les gottes, hein. Les baguettes à manger, hein. Qu'on se calme, les petits. Parce que je connais des gens et ils vont croire que voilà, j'aime les baguettes. Du style, hein, du style, voilà. Bon, là, je cherche un truc pour ça, pour qu'on voit pas en bas le truc. Et j'arrive pas. Donc voilà, je pète un câble. Enfin, dans ma tête, hein. Oh putain, toute cette photo là. Abonne-toi. Peut-être que ça. On va voir. Oh, mais non, je suis con. Ouais, mais non, c'est dégueulasse entre du bleu et du noir. Excusez-moi, je suis très maniaque pour les couleurs et tout, parce que franchement, après j'ai peur que ça soit pas beau, donc on va appliquer et après on va carrément l'enlever. Parce que c'est dégueulasse. Donc j'en étais. Putain, j'ai enlevé le. Oh putain. Vous voyez comment c'est chiant quand je filme avec. Pour faire une bannière, vous voyez là. Avant ça, je fais 5 minutes, hein. Et ça fait 10 minutes que je filme. Vous voyez quand même que à cause de la quand je filme ça va pas vite. Vous êtes d'accord avec moi? Donc on va aller de notre manière. Je vais marquer tout simplement abonne-toi ici, pouce bleu là, et voilà. On va pas se faire chier. Hein. Tant pis. Hein. Je vous montrerai la bannière après. Oh putain, elle me saouler. Allez, place-toi. Oh là là. Vous voyez comment c'est chiant. Hein. On va juste agrandir un peu. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Donc maintenant on va aller dans le texte. Hop, si tu veux bien. On va prendre du. De ça. On va écrire abonne-toi. Si tu veux, voilà, si tu veux, ici. On va mettre en majuscule abonne-toi. Donc là, ça a bugué, exemple. Donc voilà, là, ça a bugué. Je vais pas grandir. Ok, votre PC est lent, mais je m'en bats les couilles. D'ailleurs, ça pourrait y a une pub qui s'affiche direct. Hein? Pourquoi t'as une pub qui te dit que ton ordinateur est lent alors que t'es en plein montage? Eh, tu sais pas pourquoi? Une habitude. Une habitude. Ouais, non, c'est pas beau. On va enlever. On va chercher un autre truc. Ah, ça. Ça, on va voir ce que c'est. On dirait qu'il se trouve dans Minecraft. Abonne-toi comme ça, non? C'est pas bon. Ah, cette écriture, je la kiffe. Vous savez pourquoi? Parce que regarde. Vous voyez comment c'est? Abonne-toi. Je trouve qu'il est énorme comme ça. Bon, bah après, prendre la police, elle est un peu trop grande. Donc, je vous conseille d'arrondir. Et on va mettre du. Même pas. On va mettre du vert. Voilà. On va un peu tourner pour que ça soit un peu stylé. Hop. Pas trop quand même. Bon, c'est quand tu veux, ordinateur, hein. Voilà. Donc voilà, là, abonne-toi comme ça. Et donc voilà, donc si t'es content,
Ah, c'est pas aligné, c'est Stellium Gaming. Bon, c'est pas grave. Donc, si tu contactes ta bannière, et comme ça, tu vas dans Save. Tu mets une bonne qualité. Donc, le name, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je mets ce nom score. Je m'en fous un tout petit peu. Parce que moi, c'est dans dossier. Le dossier n'est pas vraiment énorme. Donc, voilà. Donc, là, on entend qu'il y a écrit Save encore. Et vous enregistrez dans votre dossier. Et normalement, si vous avez bien choisi votre dossier, va se mettre direct. Donc après, je vous montrerai la miniature et la bannière que j'ai fait avec ça et le logo. Ok. Là, il s'est foutu de ma gueule, par exemple. Là, il n'a pas mis sur mon truc. Montage, photo, miniature. Celle-là, enregistrée. Il va me dire qu'elle a déjà un. Je m'en fous, je l'enregistre lui. Donc voilà. Normalement, il s'est enregistré. Et là, il s'est enregistré. Voilà, après, quand vous avez fini, vous fermez. Enfin, moi, je vais fermer parce que voilà. Je vais vous montrer. Celle-là, elle est bien aussi. Ah ouais, merde, j'ai oublié de vous montrer le logo. J'étais à quoi? Pourquoi ils ont fait ça? Je sais pas. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Oh, il est où? Il est où? Il est où? C'est là. Donc, je vais vous montrer les bannières que j'ai fait avec ce truc. Et le logo et la miniature. Bon, déjà j'ai fait cette bannière comme vous voyez à mon bureau, donc voilà. Et maintenant je vais vous montrer les autres trucs que j'ai fait. Oh putain, faut que je désinstalle Google Plus parce que il me fait bugger mon ordi. Beaucoup même. Donc voilà, donc je vous montre la deuxième bannière que j'ai faite. Et la première, je sais pas où elle est. Pour ça, ouais. Elle est jolie, mais voilà, on va juste attendre qu'il veut bien se mettre. Donc voilà, donc ouvrir avec, parce que moi, quand il s'ouvre avec un truc avec Photoshop, Photoshop, j'ai pas envie qu'il soit avec Photoshop. Voilà. Alors, je m'en fous un peu de Photoshop là. Donc là, vous voyez bien, là, c'est une bannière, mais vraiment d'origine. J'ai mis du flou. C'était normalement une bannière GTA, et j'ai mis du flou et personnalisé. Donc là, c'est une bannière vraiment, vraiment pour les débutants. Voilà. Ça, c'est la une miniature que j'ai faite. Donc voilà. Avec ce site, qui est vraiment bien. Donc voilà, après, j'ai rajouté sur une autre bannière pour la dimension. Le logo que j'ai fait avec ce site. Donc voilà, qui est super bien. La miniature que j'ai fait avec ce site, et donc là vous voyez bien le GTA, bien le logo, le glitch, donc c'était sans mon ancienne vidéo sur le glitch, sur ce glitch, donc voilà, qui est bien écrit glitch, wellbrush, lamination, donc j'ai mal écrit lamination parce que je savais pas comment ça s'écrivait, donc voilà, et donc après je vais vous montrer si j'ai d'autres trucs, donc après voilà, et voilà, bref! Si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas à lâcher un like, à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je mettrai le site en description si je le retrouve, mais je vais le retrouver dans l'historique, vous inquiétez pas. Et donc voilà, je vais tout simplement aussi vous dire que je suis GFX. Donc voilà, vous avez encore une preuve. Après, je vous dis que je suis GFX, mais je suis pas je suis pas en 3D, je suis qu'en 2D. Après. Si vous voulez me donner un fond de bannière que je la mette et qu'après vous me donnez des photos ou des photos que vous voulez ou je mets mes photos à moi, donc voilà. Vous me dites en commentaire si vous voulez une bannière, moi il n'y a pas de problème, je suis pas payant parce que je vois l'intérêt de payer pour une bannière à 2560 fois 1440 pour deux, ça repasse complètement débile, donc voilà. Donc sur ce, tu peux t'abonner, je répète, et tu peux lâcher un like. Et sur ce, les gars, je vous dis peace tout le monde.